Défendez la tour. Ouais. Franchement, le jeu, cette légion rouge est bien entraînée, mais nous sommes meilleurs. J'accroche. Tant que nous n'aurons pas été évacués, nous tiendrons cette position. J'accroche beaucoup au jeu, mais voilà, le souci, ce sont les prix des DLC. Difficile, repliez-vous sous mon bouclier. Ah, bonne idée, ça. Ne laissez pas franchir la porte. Les navettes d'évacuation sont derrière. Oui, moi, ce que j'aimerais bien, c'est récupérer de la vie. Ça. De l'autre joueur, hein, apparemment. On reste ici, puis je m'occuperai de ce vaisseau mère. Ah, ça va, les interactions elles fonctionnent toujours. Des missiles, restez sous mon bouclier. Allez, c'est reparti pour un tour. Je sais pas ce qu'il fait avec son spectre. Hein. Montrez-leur ce que valent les gardiens. Zavala, la dernière navette vient de partir. Mais le guide, il n'est jamais venu. Je pars à sa recherche. Je m'occupe de la place. Rejoignez Ikora. Trouvez le guide. On s'en charge, commandant. Des missiles, attention! D'autres capsules, je m'en occupe. Il faut qu'on retrouve Ikora. Ah ouais, ça c'est la place du hub dans le premier. J'ai pas trop reconnu. Toujours l'air ouvre au balayeur. Déjà pris beaucoup de vous. Légion rouge, je ne t'accorderai aucune pitié. Entre sur le vaisseau mère. Rendez-vous au nord de la tour. J'envoie Amanda Holliday vous chercher. Je ne sais pas où est passé l'autre joueur. Il a dû rester en arrière. Voilà une section que je ne connaissais pas. Je
tirer à le côté, ça fera rien. Voilà. Oh. Amanda arrive. Elle vous déposera sur le vaisseau mère. Ah zut, oh. Je me suis fait avoir comme un bluff. Bon, on va prendre le petit revolver. Même si je précise guère. Franchement, et prenant au côté de l'action. J'ai trouvé cette personne dont vous n'arrêtez pas de me parler. Il faut l'emmener vers un des sommets. Vite! Tenez bon derrière! Allez, mon grand! Ok, derrière. Mettez-leur quelques pompes pour bien placer. De chargement, ils sont un peu longs. C'est bon. Allez. On va prendre d'assaut un vaisseau mère en étant tout seul. Ouais. Et comment je fais pour monter? Bah, je passe par là. Ouais. Pourrait nous aider. Laissez-moi regarder. Ce que j'apprécie ici dans la Destiny, c'est que le les combats sont assez instinctifs. Le générateur de bouclier devrait se trouver dans la cale inférieure du vaisseau. Voilà. Une certaine souplesse vis-à-vis des autres FPS. Je trouve que vraiment la prise en main pour les combats, elle est très très bien. Espérons que l'intelligence artificielle soit un peu meilleure aussi que dans le premier. Et voilà. Je me suis fait exploser la tête. Je commence à manquer de munitions. Les flammes de mon pistolet sont sur le point de s'éteindre. Des nouvelles d'Ikora? Pas depuis qu'elle est partie chercher le guide. En formation avec moi.
Et c'est bien pour la réapparition. On reprend direct. Je ne sais plus comment c'était dans le premier, mais bon, voilà. Alors. Je peux faire le tour. Allez, tourelle qui tire dans les airs, c'est franchement pas mal. Hein. On est vraiment dans le feu de l'action. Oh là, encore un mec d'élite, off. Une unité d'élite. Oui, je suis un très mauvais sniper, je l'admets. C'est par où? C'est par là. Je vais retrouver Nan avec l'unité d'élite. Ça me planquait. Ah, zut. Après, l'intelligence artificielle n'a pas l'air d'être hyper géniale encore.